Aux alentours de 1900, le photographe américain Edward Curtis s'empare de son appareil, un réversible Bac Primo à objectif Victor rapide, relativement maniable, et se met en tête de réaliser une histoire photographique de l'Indien d'Amérique. A l'instar de Béla Bartok, en Hongrie, il entend consigner par l'image et par le son ce qui demeure d'une civilisation en péril. Au long de 30 années, il va publier 30 volumes, prendre quelques 40 000 clichés, procéder à 10 000 enregistrements sur cylindre de cire, étudier plus de 80 tribus de l'Alaska au Mexique. Cette Amérique indienne, dont Albin Michel publie une sélection, est une véritable merveille de beauté, d'émotion et de sympathie. Soutenu par le banquier Morgan et par le président Theodore Roosevelt, Curtis visite les Navajos et les Hopis, les Sioux et les Apaches. « J'ai pris une résolution, écrit-il. Tous les portraits devront être faits selon les meilleures méthodes modernes et d'une taille suffisante pour que le visage puisse être étudié comme la chair même de l'Indien. » Il retourne à Little Big Horn, où en 1876, le chef Sioux Umpapas Sitting Bull avait eu raison du trop arrogant général Custer. De son vainqueur, on lira avec profit la biographie classique du Aztlan de Vestal et publiée pour la première fois en 1932, dont les éditions du Rocher nous offrent opportunément la première traduction en français.